Bonsoir Twitch, comment ça biche? Est-ce que ça biche déjà? Avant de demander comment ça biche, hein? Soyons honnêtes, il faut d'abord demander comment ça biche avant de... d'estimer que ça biche. Salut M. Lavost, je crois que je ne t'ai jamais vu. Bonsoir. Et si je t'ai déjà vu, je suis désolé. Ça m'arrive des fois. Bonsoir, Jacques Dragon, je crois que je ne t'ai jamais vu. Salut Michif, salut Olin. Olin, je crois que je voulais te répondre et que j'ai pas pu te répondre. L'autre fois, tu m'as envoyé un message et j'ai voulu te répondre et il n'y avait pas de réseau. Sur Twitter, je crois. Oui, c'est bien toi. Tu m'avais dit, je voulais juste savoir quand sera le prochain live. J'ai pas pu te répondre parce que je n'avais pas de réseau, je suis désolé. Et après, j'ai oublié, tout bêtement. Voilà. Salut Jabs, salut Judas00. Salut Vito Lima. Salut David. Pourquoi Nightbot? Twitch part du principe que tous les lives sont dégueu. Alors Nightbot n'est pas Twitch. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi Nightbot, effectivement. C'est ça. Salut Paranoia. Toi non plus, je crois pas t'avoir vu. Salut Lalio. Est-ce que je me suis remis du live sur RE3? Eh bien non. Non. Je cherche. Toujours j'erre dans les rues de la ville. Alors, à la recherche d'un tuyau d'arrosage. Salut le grand Gakun. Toi non plus, je ne crois pas t'avoir vu. Et c'est quoi ton excuse pour pas m'avoir répondu sur Twitter? Je ne sais pas. Non, Demnet, je ne te salue pas. Il y avait trop l'horreur tellement défoncé hier soir, tout à fait. Donc, Jex, est-ce que tu peux, oui ou non, maintenant valider que peut-être tu seras là à la soirée des... Peut-être. Je vais dire peut-être, voilà. On validera quand ce sera validé. Mais peut-être que vous aurez le droit à Jex en chair et en os pour le live des gens qui ne fêtent pas le nouvel an. Parce que n'oubliez pas que cette soirée est réservée. Le nouvel... On va dire oui, peut-être. Peut-être que vous aurez Jex à la soirée des gens qui ne fêtent pas le nouvel an. Il y aura le retour de Matt au chapeau. Pas Matt, mais Matt au chapeau. Qui fera une certainement un globibouf. Il y aura Kevin, qui a confirmé sa présence, aujourd'hui même. Il y aura Eric, peut-être, c'est pas encore sûr à 100%. Et en soubrette, certainement. Est-ce qu'il sera tout nu? J'espère que non, j'espère que mon rêve ne se réalisera pas ce jour-là, parce que ce serait dommage. Est-ce que je vais faire de nouveaux blogs en forêt? M la VOST? Est-ce que c'est ça, en fait, ton pseudo? M la VOST? Si c'est ça, ton pseudo, c'est trop bien. Bref. Va sur ce lien là-haut, qui va apparaître bientôt dans le chat, et tu verras que je vais en faire, oui. Si tu aimes les vlogs en forêt, tu aimeras les cassettes mystérieuses, ne t'inquiète pas, ne te fais pas leurrer par le sérieux de la première vidéo, regarde la deuxième, tu verras très vite. Eric, Jex, Eric, l'ensemble du Boys Band. Quoi, Eric, Jex, Eric? Ou t'as oublié Kevin? Moi, je veux bien venir à Reims pour le Nouvel An, j'ai rien prévu, j'amène le champagne. Eh non, nous n'acceptons pas les gens de la classe supérieure qui sont sub. Nous acceptons que la crasse pouille de l'équipe et des modos. Donc voilà. Ah bah écoute, M la VOST, cool. Et est-ce que c'est bien ça ton pseudo? Est-ce que c'est bien M la VOST? Ou bien c'est juste Mlavost? Mlavost! Salut Dralsorg. Dans les égouts, Jex. Faut nager dans la fange, tout à fait. Non, en fait, c'est Marc-Antoine Lavost. D'accord. Ah, dommage. On aurait pu croire que c'était M la VOST, tu vois. Ça aurait été classe. Mais c'est pas grave. On t'aime quand même. Sérieux, j'espère que vous allez l'avoir, c'est nul. Mais on est tellement prêts! Mais il reste qu'une semaine! Je sais pas, j'espère que oui. Y aura-t-il une saison 2 de McCornish? Eh bien écoute, Vito Lima, malheureusement non, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est trop délicat d'investir de l'argent dans un projet qui peut être annulé par la gendarmerie à chaque fois. Donc voilà. Après ton live hier, je me suis fait une partie sur Dragon Quest 9 que ma chérie a trouvé en vue de gagner. D'accord. Dragon Quest 9 sur 3DS? Non, sur DS tout court. J'ai vu.
Heureusement que tu t'appelles pas Marc-Antoine, ça. Marc-Antoine Robinet? M-A. Non? Salut Venom, Max Kim toujours pas remis son aventure avec les flics du dernier journal. Non, toujours pas. Lui sur des attaques. Y aura-t-il une saison 3 au Occident? Oui, même une saison 4. Les raisons d'annulation par Armurerie, mais ça je veux. Je vais aller braquer une épicerie pour donner Ulule. Eh oui. Marc-Antoine VF, oui, d'accord, effectivement. tu m'expliqueras derrière le commissaire. Quoi, quoi? Tu t'expliqueras derrière le commissaire. À la base, je voulais voir ce que ça faisait quand on tapait quelqu'un qui était mort! Je reste prime chez MV et Crane, mais toi, t'as du vrai fric. Ah! T'as un vrai 14. Tu sais ce qui est très drôle? C'est que Prime, tu touches plus d'argent que les subnormaux, je crois. Pour une raison qui ne m'est inconnue. Mais en gros, tous les subnormaux sont à 2 quelque chose, alors que les subprimes, c'est toujours 2,50. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est rigolo. Bref. Y aura-t-il une saison 2 à Firefly? Je n'en sais. J'avais adoré le globibouf du risotto, excellente soirée. Ah, c'est vrai que c'était cool cette soirée-là. Mais le nouvel an, ceux qui n'ont pas vécu une soirée de gens qui ne fêtent pas le nouvel an ne savent pas à quel point c'est trop bien. L'année dernière, c'est vrai que c'était un petit peu moins ouf, parce qu'on était moins nombreux, en fait, tout simplement. Et que voilà, c'était un peu plus compliqué. Mais cette année, je peux vous assurer que déjà, si on arrive à avoir du Eric, Jex, Kevin, Matt et moi, déjà, ça fera 5 personnes, on pourra faire des choses. Voilà. On verra bien. Allez, sub selon l'endroit où tu es sur internet, le mot change totalement. C'est vrai? Pourquoi As the Peak? Y a-t-il un voir sur les cassettes direct dans l'oreille? Mais oui, tu m'étonnes. Salut, Dirart. Matt ou Nouvel An? Non, Matt. Matt. Matt au chapeau. Attends, 14, je vais pas dire que c'était mauvais l'année dernière. Je dis juste que c'était un peu plus calme, dirons-nous, que les années précédentes. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Mais c'était bien. Moi, j'ai bien aimé. Je me suis pas ennuyé. Voilà. On ne s'ennuie jamais. Puis vous pouvez pas, c'est pas drôle de pas voir la déchéance des heures. Ouais, quand même. Où en est le projet Victor Lannuy? Il avance. Victor Lannuy sera propulsé dans l'espace. L'année dernière, avec le bidon de pisse, c'est vrai que ça sonne fou. Nouvel an de l'année dernière, j'étais dégoûté, ma collection m'a lâché, j'ai pas pu suivre mes tardifs, mais en effet, c'était pas la folie, ça va vouloir être méchant. Ouais, mais c'était pas... Voilà, les Dapfaif, après, on ne peut pas réussir à chaque fois tous les ans, et puis le problème, c'est qu'il y a eu... Je crois me souvenir qu'il y a eu des annulations au dernier moment, et voilà. Mais bon, c'est tout, quoi. Oui, de l'année dernière, on se comprend. Hein. Cette année, ils vont tirer un feu d'artifice dans le nouvel appart. Tellement bien. Puis c'était galère aussi niveau orga et tout. L'année dernière, c'était voilà. Mais cette année, ça sera beaucoup mieux. Alors, quel service pour utiliser les sondages en stream? Ah oui. Alors, en fait, j'ai vu ta question. Et je voulais te répondre, c'est paul.ma.pe. Je crois que ça s'appelle, ouais. paul.ma.pe. po2l.ma.pe. Comme les upfront, les annulations, ça fout les... D'accord. Dapfaith, c'était un peu ça, effectivement, de la timidité. Mais bon, après, c'est tout, ça arrive. En fait, le problème, c'est que... j'estime que pour avoir une soirée live réussie, il faut avoir une majorité de personnes, comment ça s'appelle, actives. Or là, nous étions pas en majorité de personnes actives, tout simplement parce que Jack c'était par Skype, et donc c'était compliqué pour lui d'être. Il n'était pas vraiment là, il pouvait pas être actif en fait. Donc du coup, on se retrouvait à une majorité de personnes non actives. Donc c'était un peu compliqué. Alors que cette année, si tout se passe bien, on aura une majorité écrasante de gens actifs. Donc ça se passera bien.
Voilà. Il faut savoir équilibrer. Voilà. Mais il y avait Eric l'année dernière. Et oui, Jax était passif. En fait, j'étais absent des lives pendant 6 mois l'année dernière que je bossais en Asie, mais en revenant là, il n'y a plus Castor qui s'est passé. Alors, il ne s'est rien passé de spécial, en tout cas à ma connaissance. Il a juste souhaité arrêter son job de modo et je ne crois pas qu'il vienne sur les lives. C'est son choix, il n'y a pas de souci avec ça. Vous savez, les choses changent avec le temps, c'est normal. La sœur de sa copine, je crois, elle était fun, je m'en rappelle. Elle était fun, mais elle n'était pas active puisqu'elle n'était pas à fond à l'aise. Voilà, c'est tout. Mais elle était cool. Ma copine aussi est cool. Tout va bien. Ah, mais on organise vraiment quelque chose. En fait, on fait la soirée des gens qui ne fêtent pas le nouvel an. Depuis 4 ans. Enfin, 3 ans techniquement, parce que la première année compte pas vraiment. Mais bref. Et en fait, on fait une soirée du Nouvel An pour ceux qui ne fêtent pas le Nouvel An, parce qu'il y a plein de gens qui ne fêtent pas le Nouvel An. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est une soirée qui, 1, se passera et ne sera pas annulée au dernier moment, 2, sera qualitative, et 3, sera fun. Voilà. Donc, il se passe plein de trucs. Tout à fait, Diarhart. Soirée pour des gens de Jax. Il y aura un tuto cook avec Matt. Mais oui, Matt. Pas Matt. Mais oui. C'est vraisemblable en tout cas. Bon, après, vous savez comment ça, c'est un peu galère. Par contre, je pense qu'on fera le live dans la pièce à côté, qu'on réagencera un petit peu. Enfin bref, ça sera cool. Comment vous faites participer les gens qui vous regardent? Ben, comme là. Vous participez toujours en live. Et puis on fait des sondages, on fait des petits jeux avec vous, on fait gagner des trucs. Ça se passe généralement très bien. Tu feras une soirée de Kevin qui fête le nouvel an seul ou Kevin sera juste face à Ekam et boira de l'agneau. Ouais, il sera... Vous savez, c'est... Pendant ce temps-là, dans la cave de Kevin, et genre, il y a une petite webcam en haut... Kevin dans une cave qui se saoule la gueule avec plusieurs seaux de vomi à côté de lui. Je lui proposerai, je suis sûr qu'il va accepter. Moi je passe nouvel an avec mon copain et un de ses amis que je trouve insupportable. Et peut-être me faire porter pâle et passer sur la soirée. Mais si Jax fera piñata. Kevin attaché sur un mur. On peut proposer une extermination de masse de tous les gens usant de la couleur bleue qui pète les yeux sur fond sombre, j'avoue. Quand j'aurai ma paye, je serai sûrement contributeur pour le LUL, c'est très tentant. Bah écoute, n'hésite pas en tout cas. Tu as jusqu'au 23 octobre à 18h01. Après, ça ne sera plus possible malheureusement. Mais ça vient d'où le Kiblin alcoolique? Alors ça vient de moi. Ça fait très longtemps, je pense que je pourrais presque retrouver une vidéo de moi qui fait « Putain, mais Kevin, regarde tout ce que t'as bu !» Et en fait, je monte toutes les bouteilles de la table plusieurs fois en disant qu'il a bu tout ça, enfin voilà. Donc ça vient de moi et ça date d'il y a très longtemps. Alors, Olin, pourquoi ce n'est pas facile à trouver des manteaux noirs? Parce qu'en fait, c'est c'est dans le recueil de... Je ne sais plus son nom... De l'homme. Je crois qu'il s'appelle De l'homme. Et bref, qui est un auteur assez connu. Donc, ouais, ça va être trouvé. Enfin, c'est trouvable en PDF, dirons-nous. Mais c'est illégal. Voilà. Tout ce que je dirais. Est-ce que le live est Rule 34 user-friendly? Oui et non. Ne poste pas de lien pornographique, c'est illégal. Mais sinon, oui. On pourrait faire une webcam Victor en nuit. C'est vrai, pendant ce temps-là. Ben, je pense qu'on peut prendre une photo pour Victor. Ça pourrait suffire. Ah, Kevin Rebou, développeur de jeux vidéo. C'est vrai que c'est pas mal. Pour l'Assassin's Creed Origins, qui se passe en Égypte ancienne, des époques dont le créateur de CR a dit que ce serait une des pires choses, je sais. Certes, quand t'as un génocide, c'est quelque chose que je disais dans le dernier drogue.
D'ailleurs, ça y est, le prochain. Enfin, je l'ai dit sur Twitter, mais le prochain. Comment ça s'appelle? C'est pas Drog, c'est. Sex sera sur Stranger Things. Donc là, je suis en train de bosser dessus. Tout à fait, Clex. D'accord, Gerard. Il est quand même cool, le Gloopy Peur. Le smiley de moi qui ai peur, j'aime bien. Je suis content de l'avoir refait. Mais bah, t'es taré ! Bon bah voilà. Merci beaucoup, Jabs, qui devient Twitch Prime, qui devient Gloopy Sub. Tu as donc le droit à un fursuit d'1m50 ou bien une salle des tortures de Keblin d'1m50. Une salle d'1m50, tu vois, où tu peux regarder dedans et voir un petit Kevin qui souffre et tout ça. C'est pas mal. Mais c'est ça, j'ai très hâte de faire une émission qui s'appelle Rock'n'Roll. Mais ça va être compliqué. Déjà, sexe, hein. On est d'accord que ça marche pas vraiment, mais c'est pas grave. La salle me semble mieux. C'est vrai que le fursuit d'un mètre 50, si tu ne fais pas 1m50, c'est compliqué. Dirars, je sais qui tu es. Enfin, je sais qui tu es. Je connais ton pseudo, quoi. Mais être plus régulier est toujours une bonne idée. C'est vrai que Judas, c'est toujours drôle. Pour le connaître, mon skim. Je pense que le live du Nouvel An sera un gros karaoké. Putain, c'est une bonne idée ça. Je pense que ça peut être très cool. En plus, Kevin et Eric sont tous les deux portés karaoké. Jex, moins sûr. Matt, moins sûr. Mais je pense qu'ils se prêteront au jeu. Moi, je suis pas du tout porté karaoké. My Searchers, pas sûr que Biggie accepte. Si ça se passe bien, je veux rien dire, hein, mais il y aura peut-être une nouvelle émission, en tout cas pendant un temps, en fin d'année. Alors, Azaled, salut. Effectivement, j'étais en tournage pour Le Seuil de l'Étrange ces deux dernières semaines, donc je n'ai pas trop stream, mais là, je reviens. La comédie Club Topus pour le verre, oui. Oh non, s'il y a des karaokés, on va voter sur des faux sondages à chaque fois. Et révélation orgueilleuse, compliquée, néanmoins rodée, ordinairement littéraire. Ça passe. Et les coins du feu, c'était cool pour faire de... Eh oui, mais c'est un peu compliqué. Tu fais encore des jeux de rôle les vendredis? Non, malheureusement là, vendredi, je devais faire un jeu de rôle. Mais on le fera pas parce que, en gros, je vous explique. À la base, il devait y avoir Eric, Victor, Kevin... Akmenra et moi. Attendez, c'est... Oui, c'est ça. Et peut-être Zach. Sauf que Zach ne peut pas. Eric ne vient pas. Victor ne peut pas. Et donc, il reste que Kevin et Akmenra. Donc, on se retrouve encore deux, ce qui est très compliqué pour faire le jeu de rôle que je veux faire. Et en plus de ça, je dois être à Charleville vendredi. Donc, ça veut dire que même moi, je suis même pas sûr d'être là. Donc, je préfère annuler. Par contre, comme j'ai dit sur Twitter, je vous propose un... Perso, pour faire de l'eau, je passe la rediff des minimums souffle avec Eric. Très bien. Je vous propose un marathon sur eh bien, le jeu que vous voterez pour. Donc, je vous dis les jeux qu'il y a et voilà. Hein. Pour l'instant, c'est Until Dawn qui l'emporte. Attendez, vous pouvez voter, je vous mets le lien du tweet. Voilà. Ça s'appelle perdre les amis, ça, tout à fait. Donc, il y a Resident Evil Code Veronica qui est à 22%, Until Dawn qui est à 30% et qui remporte pour le moment, Phantasmagoria qui est à 27% et que je vais peut-être faire gagner de force, et ou plusieurs jeux qui est à 21% et qui est le plus bas voté. Donc voilà, Until Dawn, en fait, je trouve que c'est une très bonne idée parce qu'on peut très vite le finir en un live. Phantasmagoria, je ne sais pas si on peut le finir en un live. Je n'en ai aucune idée, je vais regarder tout de suite. How long to beat
Fantasmagoria. Ah bah tenez, on peut jouer à Evil Within 2 si vous voulez ce soir. Ah bah ça va, 6-7 heures. Donc si, on peut jouer à Fantasmagoria en une soirée. C'est parfaitement faisable, les gens. J'exboie énormément, hein, ne l'écoutez pas. D'ailleurs, il est sous en ce moment même. C'est bien, Fantasmagoria. C'est nanardesque, apparemment. Et c'est gore et ça, donc ça a l'air cool. Tu connais les personnages de Poppy de League of Legends? Je vais chercher. Ça ne marche pas. Je me suis trompé de touche. Poupipoupip. Poppy League of Legends. C'est une petite fille. Badass. D'accord. Et bleu. Avec les cheveux blancs. Tu comptes faire tous les erreurs en live, ouais. Bon allez les gens, on vote. Quel jeu? The Evil Within 2 ou bien Resident Evil 4 ou bien des indés ou bien autre chose. Allez, votez les amis. Vous pouvez voter pour plusieurs. Hop. Je n'ai pas de nouvelles de l'adaptation des Montagnes Hallucinées. Je ne suis pas en lien avec Del Toro. Tout à fait, Venom. C'est à ça que j'ai pensé, moi. Salut, Xyad07. Alors non, Slayer, je n'ai pas fini RE3 parce que j'avais envie de me suicider. Et oui, les subs comptent double, donc si vous subez, voilà. Ah, Dirdan dit que Del Toro a dit qu'il les ferait pas. Bon, ben, on l'a dans le cul. Putain, Civil Wizard 2, vous l'aimez pas, les gens. Mais c'est drôle, pourtant. Ah, mais RE4 est vachement mieux que RE3. Putain, les indés l'emportent. Vous me choquez, genre. Non, mais je sais que tu connais pas Del Toro, mais tu squattes parfois les sites américains. C'est vrai, tu as raison, As de Pique. Je suis désolé, ma réponse était un peu sèche. Tout à fait, Tanguy. Ouais, j'étais à Lyon en même temps que Del Toro, technique. Ozibo, Evil Within 2, je pense pas que je puisse spoiler un jour les gens. Ah, Venom le 1 est quand même vachement bien. Surtout en remaster. Putain, Master Short, quel mauvais choix. Ah non, non, Quentin, Genosado, The Evil Within 1 était au mieux moyen. Et vraiment au mieux. Dans ses meilleurs moments. Au fait, j'imagine que tu as donné ton avis sur It. Donc ça, j'en pense quoi? J'en pense que c'est un film moyen. Et assez décevant. Mais avec de très bonnes idées et des très bons plans. Voilà. Mais globalement, c'était moyen. Un peu osef, en fait. Mais c'est pas un mauvais film. Contrairement au téléfilm. Bah, si Evil Within 2, pour l'instant, c'est la même chose que le 1. Hein. Pas vraiment de différence. Ouais, bah, justement, Venom, joue à la version remaster sur PC, c'est plus un 36 tonnes. Tu joues en mode normal et tout, c'est top. Ah, je sais pas, Evil Within 2 pour l'instant c'est la même chose que là, je vois pas la différence. Je ne suis pas allé voir Blade Runner 2, je n'ai pas eu le temps, j'irai le voir peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. C'est quoi les choix déjà? C'est marqué là? Putain, les mecs, c'est une égalité, là il va falloir choisir.
Alors, c'est vrai que Bloodborne est vachement bien, mais ça n'a rien à voir. C'est vrai, on trouve Ryan 1. T'as mis les contrôles en non-tank? Parce que moi, je trouvais ça bien. Tout à fait, Judas. J'ai dit qu'il était mieux. Pour l'instant, c'est R4 qui l'emporte. Pourquoi Debnet R4? C'est cool. Après, on sait pas. Hein. Peut-être que je pourrais pas y jouer. Je me rappelle la dernière fois que j'ai essayé d'y jouer. C'était pas la joie. Hein. Si vous voulez pas Resident Evil 4, votez 3. Pour les jeux indés. Quentin, depuis tout à l'heure, à chaque fois que je lis tes messages, j'ai l'impression que tu donnes ton avis de manière random sur des trucs. C'est un peu bizarre. Il y a des nouveaux actifs sur... Ah, c'est cool, ça. Waouh ! Dément ! Merci, Corwin64 ! Et voilà, c'est les indés qui ont gagné. Bravo. Resident Evil 0, hein, j'étais... Bah, en fait, c'est Resident Evil 0, il était pas terrible, j'ai pas aimé. On peut additionner autre chose avec un dé, si vous voulez. Mais un dé à gagner, genre. Ne vous inquiétez pas. Everything is okay. Comment on dit. Alors, boum, on va revenir là. Et... Pas de R4, magnifique. Bah, ouais. Wow. Pourquoi wow. Voilà, 200 pour le projet Ulule. What. Ça s'est pas mis à jour. Oh, merci beaucoup. Et grâce à toi, et grâce à peut-être pas que toi d'ailleurs, je ne sais pas, nous sommes à 9793. Merci. M la VOST. Maintenant je t'appelle M la VOST. J'en ai rien à foutre que ce soit pas ton nom. Merci beaucoup à toi. Un très bon, un très très généreux don. Et nous sommes tout près des 10 000 euros. C'est cool. Vous savez ce que je vais m'acheter avec ces 10 000 euros? Des chaussures. Des tas de chaussures. Parce que c'est ce que j'aime. Annie Isolation est un indé. Je crois que oui. Je pense quoi de A Hat in Time? Je pense qu'il est vraiment très bon. Et je me suis bien amusé dessus, pour le moment. Bon, bah c'est très cool. Ça me motive pour jouer à des bons jeux. Dommage. On va jouer à des mauvais jeux. Alors, on va commencer par Wonder Doctor. Est-ce que je fais venir Jex? Allez, vous votez. Je sais même pas s'il est dispo. Jex, est-ce que tu es là? Aussi bien, il n'est pas dispo parce qu'il est une heure et demie. Il dormait, Jex, hier, une heure et demie. Il était en live, mais il dormait un peu. Je suis dispo. Donc, vous allez voter si Jex ou pas vient en live. Attention. Jex en vocal? Oui. Non. Votez 1 pour qu'il vienne en vocal me lire vos messages. Ou 2 pour... Attention, il peut lire le chat. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Fais-le venir, il faut la caution grand public. On va à 3 seulement s'il se tait pendant l'histoire. J'aime bien les gens qui votent 1 et 2. Mais non, mais c'est une blague, les gens, ils viennent venir, évidemment. Si je décidais, il vient. Je ne suis pas là pour... Attendez. Ah merde, faut que je fasse TeamSpeak. Putain, nique ta mère. Voilà. J'ai voté 2 règles pour la merde. Bon, allez, hop. Se connecter. Blablabla. Bla, bla. Et groupe Topus et Globby Community. Voilà. On va l'attendre. Ah! Ça sent bizarre. Bonsoir. Comment vas-tu, mon cher Jesk? Ça va, et toi? Ça biche. Donc, nous allons commencer par Wonder Doctor. Jack, si tu peux changer l'intitulé du live. Bonsoir, le live.
Ok, c'est quoi le jeu? Wonder Doctor, avec un W au début et un U. Comme Wonder, mais avec un U. Et Doctor, tout attaché, je crois. Wonder Doctor. Je vais aller vérifier. Un jeu qui vient de sortir. Attention, le son n'est pas réglé. Ah merde, ok, j'ai mal compris. On va baisser le son du jeu. Alors, joue à Ruiner. Alors, Vito Lima. Si quelqu'un m'offre Ruiner, j'y jouerai. Mais je n'ai pas l'argent pour m'acheter Ruiner, malheureusement. J'ai dû louer un GH5 et j'ai plus d'argent. Je vais redémarrer depuis le début. Ouah. Allez. Oh, okay, mais Cotin, tu pars alors que... J'ai écrit comme un nul de jeu, c'est ouf. Donc voilà, on va commencer par là, on s'en fout, c'est pas grave. Donc voilà. Wonder Doctor. Tu as 9000... Oui, c'est vrai que je vais dépenser l'argent du... Tu as totalement raison. Je vais dépenser l'argent du Ulule dans des jeux vidéo. Quelle bonne idée. Tumbleweed Park, c'est vrai que ça serait sympa de le faire en live. C'est une bonne idée. 9793. Et du coup, voilà, une expansion de maladies étranges arrive. Des fantômes vus. Putain, rapport entre les fantômes. Voilà, et donc nous jouons un docteur. De la Teen Time, je pourrais. Il fait bonjour docteur, ça me gratte sur le visage. Et donc, nous grattons ces petites croûtes dégueulasses. Ah, je peux retourner au travail. Je suis guéri. Ah, merci beaucoup Venom. On dirait une genre de version au rabais de Cartman. t'inquiète, tu peux jouer au prochain jeu South Park pour l'avoir, ta version rabais. Oh, le son de mouche n'arrête pas, je ne me suis pas endormi depuis des jours. La douleur est partie. Donc, hop, on peut brûler les petites mouches. Hein. Killing. Oh shit. Hop, on va lui couler des yeux, vous inquiétez pas. Une petite moustache et un nez. Là, il y a plusieurs personnes qui disent que ça avait pensé à pas hyper rapide. Merci pour mon visage. Ah, j'ai refait Jex. C'est horrible ce que tu as. C'est Puzzle Please. Oh, j'ai vendu un mois de travail quand. De boutons pour acheter un peu de ces potions, etc. Mais j'ai ma tête qui est bizarre, etc. Aidez-moi. Mmh. Dégueulasse. Attendez, faut le mettre tout nu. Ouh. Petit téton. Oh, je vais beaucoup mieux maintenant, docteur. Oh shit. Mais t'es quel genre de docteur en fait? Je pense que j'ai des problèmes un peu. Je pense que j'ai quelque chose dans mon œil, s'il vous plaît. Et j'ai besoin d'élixir. Je dois partir maintenant. Vous voyez? Je solutionne toutes les maladies. Ne vous inquiétez pas. Et nous sommes du coup à 9798. Je me suis... Bonjour docteur. J'apporte de bonnes nouvelles. Aujourd'hui nous avons une offre spéciale. Pour le chirurgien comme vous. Chaque docteur utilise déjà les potions Quack. Les patients les adorent. Je vous laisse ce formulaire ici. Je pense que 15 paquets devraient bien démarrer. Je reviendrai bientôt pour collectionner ça.
enfin, collecter ça. Voilà, on peut recommander, etc. Hop. Bonjour, vendeur docteur. Allez, mets-toi toute nue et montre-nous ce que tu as à nous montrer. Ouf. Ouh, oui. Ouf. Et il faut lui mettre des petits pansements. Hop. Donc c'est un jeu un peu dégueu, mais je sais pas, j'aime bien l'ambiance en fait. Un peu bizarre. Hein. Ah, j'ai jamais dit que c'était... pas bizarre. Attendez, on a trouvé un truc, qu'est-ce que c'est? Et voilà, nous avons un petit truc qui maintenant va nous assister. Hop. Tout à fait, Fidji, rappelons que Quack est un charlatan. Oui, tout à fait. Quack Docteur, ça veut dire charlatan. Donc, désolé pour tous les machins, mon nom est Stein, médical, assistant médical à votre service. Maintenant, je vous aiderai, etc. Ah, j'aime bien ton style, etc. Allez, on démarre. Ah, oh, s'il te plaît, brûle ce truc de Quack Docteur. Ça, c'est addictif et ça n'aide pas les patients. Oh shit. Mon corps est faible. Et donc voilà, là c'est la santé, en fait la bougie qu'il y a, c'est la santé du patient. Donc là il a des boutons sur son œil qui est tombé. Et il saigne de l'œil. Heureusement que nous sommes là pour l'aider. Tous les médecins sont aidés par des statues aztèques, tout à fait. Oh, désolé pour le jeune. C'est bon, on l'a sauvé, vous inquiétez pas les gens. Là, j'ai... Enfin, ma tête... Alors, en gros, il faut lui donner la bonne pilule. Donc, on va essayer. Je crois que c'est celle-là. On va essayer. Non, c'est normal, c'est pas celle-là. C'est un paper please, hein, les gens. Ah, elle est morte. On va essayer ça à nouveau. Et donc, là, maintenant, il y a des livres. Vous allez voir. Hop. Et donc on peut regarder dans le bouquin. Ah là là, il faut lui donner la pilule, cette pilule là. Donc au début c'est très facile, hein. Vous allez voir que ça se complexifie avec le temps, forcément. C'est plus le supplice. C'est quoi le lien du Ulule? Eh bien le lien du Ulule est marqué et il va apparaître dans le chat dans quelques secondes. Bah il est juste au-dessus. Mais il a été posté juste au-dessus déjà. Oui. Ouh, Maxime, j'ai le sida, si je mets un sparadrap, je suis gay. Oui, ne t'inquiète pas. Walter panique. J'ai peur. Et donc là, il y a un fantôme, vous allez voir. Faut le traiter du fantôme qui est là. Donc pour le fantôme, c'est assez facile. Il faut une tapette pour le taper. Regardez. Et voilà, vous avez sauvé ma vie. Vous êtes tout nu, monsieur. Habillez-vous, vous me faites honte. Prenez 10 ans à Smecta, ouais, ça va le faire. Hey, je suis un bon docteur, hein, vous inquiétez pas. D'ailleurs, sur le chat, ça y est. D'ailleurs, on commence les vrais docteurs, je vous l'avoue, je suis vraiment docteur. Donc sur le chat, vous pouvez me proposer vos divers problèmes, je vous donnerai des solutions médicales. Pas de soucis. Ah, c'est ce genre de tapette qu'il faut utiliser. Oui, as the pix. Pas l'autre genre. S'il vous plaît, donnez-moi votre potion. Twitch, il est pas. Il bloque vite les messages. Hein. Ouais. Une tapèche à mouche à 10K pour les casettes. Tout à fait. Donc là, regardez, il faut sonder notre monsieur pour voir ce. Ah, eh ben oui, il a un bouton. Ah, les boutons, les fameux boutons qu'on ne voit pas. Apparemment, ouais, elle me l'avait. Ouais, c'était. Alors, ça se passe dans une carriole en fait. Hein. Ah, d'accord. Écoute, les gens ils sont obligés de courir et de monter en marche et tout, c'est chaud. Bah oui, c'est ça. Quand t'es malade. Donc, je sais que n'oublie pas de me lire les questions des gens par rapport à leurs problèmes médicaux. Donc, déjà, tu vas lâcher ta cigarette, toi, madame. Pour les chondrocalcinos, faut faire quoi devant du jaillard? Alors, tu prends du Smecta 2 fois par jour, par voie anale. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. 14 qui fait bonjour, docteur Maskim. J'ai une bite d'1m50, c'est très handicapant, que faire? Alors, tu peux simplement resub
une deuxième fois à 20, à 25 euros, tu verras, toute la vie ira beaucoup mieux. Ouais, tu t'es fait un ennemi dans le jeu, je crois. Ouais, c'est le Quack Docteur. Et donc là, en gros, il nous a dit qu'il faut fabriquer ça. C'est une potion magique. Donc il me faut un clou rouillé, des gorobins et un cœur de magma. Donc c'est ça qu'il me faut pour le moment. Donc je les fabrique en fait en récupérant des choses. Sinon, il y a Azaleth qui demande c'est quoi la poignée en haut. Ah, c'est justement ce qui vient de s'activer. Ah d'accord. Nous allons aider cette pauvre femme. Parce que je suis sans copine, déprimé, pas moins de prendre plaisir à la vie. Je fais quoi, Doc? Alors c'est très simple. Tu vas sur hop, sur Ulule et tu participes à hauteur de 5 millions d'euros et tu seras comblé. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. 5 millions. Pourquoi je mentirais? Je suis malade. Cet homme va très bien. C'est bizarre. C'est un hypochondriaque. Hein. Hop. Donc on a les le clou magique. Regardez. Hop. Non, les 66 ont pas suffi, parce qu'il faut que tu fasses plus de dons. Ouais. Désolé. Naskim, j'ai attrapé ma sida avec ma cousine, que faire? Eh bien, couche avec ta tante, ça ira mieux. Ne t'inquiète pas. Putain, je sais que c'est le pire assistant du monde. Il y a trop de messages, hein, on peut passionner tout le monde, je suis désolé. Mais bien sûr que si. Hop. Tac. Hop. Vous voulez recevoir une réponse, on va faire un don de 50 euros minimum sur le live. Voilà. J'annonce parce que y a trop de malades. C'est pas gratuit. Je vais injecter du. Comment ça s'appelle? De la gayness. C'est bon, il est soigné. Tu l'as rendu gay? Ouais. Mon dieu. Donc, bien une maladie. Donc, là, il y a une maladie. Et au moment du all-in dit qu'il trouve que Mossova est un bon jeu, que faire? Alors, tu prends un revolver et administre-toi eh bien, une trentaine de grammes de métal par voie par voie buccale. Hop. Ah, il a envie d'une cigarette. Allez, fume ma gueule. Elles sont insupportables, ces putains de mouches. Hop. Désolé. Voilà. Ah, il m'a donné un truc. Qu'est-ce qu'il m'a donné ? Elfie, addictive, on ne sait pas. D'accord. J'ai sub à 25 euros, hein, j'ai 2 bits d'un mètre 50, tu m'as menti. Donc, au fur et à mesure du jeu, on va avancer. Gerhardt dit que. Ça lui fait penser à Franbo, graphiquement parlant. Enfin, presque. Penser. Ouais, je sais pas. Moi, genre, le gameplay me fait vraiment penser à Paper Plus. Hein, après, on sort avec un parent, ils vont pouvoir les traiter de différentes manières. Ouais, ça ressemble un peu. Après, c'est quand même, je dirais, très différent, mais je vois le rapport. Hop. Qu'est-ce que j'ai trouvé, du coup? Il a un œil dégueulasse. Bon voilà, donc je pense que vous avez vu un peu le principe du jeu. Hein. Ah non. Mon dieu. C'est un peu dégueu quand même, mais c'est ça qui est drôle en même temps.
Je veux dire, les gens ils tombent en morceaux quoi, littéralement. Hop. Oh mon dieu, cet homme a un visage, souffre d'un visage trop petit. Hop, une piqûre de gayness et son visage va mieux. Léa, passion vétérinaire. Bah c'est un peu ça, hein. Mais sauf que c'est avec des gens qui ont des gros problèmes. Ah, mais attends, c'est quoi cette loupe? Mec, ils ont les maladies bizarres de ta hospital. C'est exactement ça. Bref. Ah, putain, il est lourd. Le mec, tu grattes l'œil, il tombe, quoi. C'est bon, j'ai le clou. Oh. Bah t'as bien vu 14, c'est une seringue de toutes les couleurs. Et donc là, on change d'environnement, vous allez voir. On va dans le Garden Falls. Enfin, on va voir les Garden Falls. Maxime, peux-tu faire le retour de l'être aimé? J'ai envie de revoir avec... Alors, la vérité est que tu ne l'aimes pas. Si tu le connaissais, tu aurais envie de l'égorger, comme tout le monde. Yes, depuis ils ont les maladies que tu trouves sur Doctissimo en fait. Tellement ça. Oh mon dieu, il a des maladies ultra cheloues, regardez. Il a une carotte à la place du nez. Alors déjà, arrête de faire des réflexions racistes, s'il te plaît, Jack. Mais c'est pas raciste. Hein. C'est raciste. Est-ce que nous on fait une réflexion sur le fait que... hein? Hop. Ah, mais il a pas d'yeux. Ce patient semble être éveillé et endormi en même temps. D'accord, faut le gifler. Où est-ce que je suis? Oh, docteur, bah justement, j'ai mal à l'estomac depuis quelques temps. Qu'est-ce qu'il a dans l'estomac? Bah. Et ben voilà, je l'ai guéri. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, une échauffe-là, docteur. J'ai bu une bouteille de nectar. D'accord, bizarre. Je ne suis pas raciste, Gérard. Je n'ai pas besoin d'être guéri. Par contre, ce qu'on a appris avec le jeu, c'est que être gay, apparemment, c'est juste besoin d'une seringue. Donc, voilà. C'est horrible, elle avait des vers. Regardez sa peau, on dirait que c'est de la porcelaine cassée. C'est trop Ah, mais non, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez vu, c'est des petits Jex, ils ont des mini Jex. C'est ça. Mmh. Quel beau soutif. Moi, ça me fait penser à Little Inferno un peu. Mais à la fin, en fait, elle avait plein de. C'était un alien, quoi. Un truc qui sort de son corps. Oh, oui. Il semble qu'on aura besoin de scalpel. What the fuck? Ah non! Oh, mais c'est dégueulasse! Non, mais mec, mais non, sérieusement, Mais si t'as ça, mais suicide-toi, je veux dire, honnêtement, c'est horrible, t'as des poches avec des mouches qui sortent, quoi. Non, mais en vrai, si vous avez ça, les gens, tirez-vous une balle dans la tête, c'est mieux. Même les transformations bizarres d'Isaac, ça va pas aussi loin. Attention, évitez vos. Oh non, j'ai laissé ça! Il perd le bouton sanguin qui a. Pas besoin de gants. Il est magique. Non. Merde, il est mort. J'ai pas suivi ce que je faisais. Attendez, faut le sauver là. Ça va pas. My body is awake. Peut-être des fois tu cliques trop, ça lui affiche des dégâts, je sais pas. Ouais, je pense que j'ai fait dans l'école en fait. Merde, ouais, c'est ça. C'est bon. Attendez, j'ai une tapette. Et voilà. J'ai vu ça une fois, j'ai mis un pansement, ça, j'ai été guéri. J'ai pas fait exprès de le tuer, genre, arrêtez de dire n'importe quoi. Et même la voix OST qui tient globe bouffe en même temps que ce jeu imaginaire. Ah, attention, ne coupe pas les red packs.
Le mec, il a des bois qui lui ont poussé, quoi. Attends, une bine. Ah ouais, j'ai une bine. Hop. Mets-toi tout nu, monsieur. Putain, mais sérieusement, mais si vous... Arrêtez d'avoir des maladies dégueulasses, quoi. Et surtout... Qu'est-ce qu'il dit, Doc Maskin, je trempe ma nourriture dans du soda, que faire avec un smiley, Eric? Abandonne la vie. Les métiers des patients, c'est trop con, c'est vraiment très drôle, Eric. Hein. J'espère que je pourrais cocher Eric et... Les maths sur ma petite carte. Voilà, donc c'était Wonder Doctor. Je trouve ça très sympathique. C'est pas le jeu de l'année, on va être franc, mais c'est cool. On enchaîne. Voir comment ça évolue. Bah, c'est ça, faudra voir après par la suite. Là, ça devenait un petit peu un peu trop répétitif, je trouve, mais c'était sympa quand même. On enchaîne avec. J'hésite. Evil Within 2. Ouais. Voilà, on va faire Evil Within 2, je sais ce que je vais finir. On va continuer RO 3. Ah non, mais pourquoi tu dis des choses horribles comme ça? Quand RO3. Tu lances RO 3, je m'endors direct. Hein. Je préviens. Oh non, il est mort. Je crois que j'avais un jeu que je voulais voir. Ouais, c'était Devil Gun, je crois. Ah, ah, mais elle a du caca qui sort par la tête. Ah, mais ça donne la gerbe, cette photo. C'est dégueulasse. J'ai pas dit que c'était nul, Cuphead, Clex. J'ai juste dit que moi, ça m'attire pas. Non. Ce jeu sur le baromètre d'Undertale. Non. Alors, on va lancer Skyrog. C'est comme Skyrock, mais... J'allais le dire. Ça, ça, quand il faut citer Skyrock, hein. Jax, il est là. Je vous rappelle que sa musique préférée à Jax, c'est Booba. Dis le contraire. Je dis le contraire. C'est fou, il ment. Allez, c'est parti pour Skyrog. Il faut changer le nom du jeu. Oh, attention. Attention au son, là, ça fait mal à la tête. Ça me perturbe le crâne aussi, hein, vous inquiétez pas. Il y avait même du Skyrock. Attendez, deux secondes. Bon, pas fait. Putain. Ah, c'est portable, ça. Hop, on va descendre à 25%, je pense que ça sera bien. Non, c'est une radio libre à Skyrock, mais... Bienvenue sur Skyrock! Premier sur les avions. Mais Maxime, c'est pas la bonne résolution, je sais. Écran P vertical? Ça a l'air d'être des traductions de chinois vers le français, je sais pas, c'est plus bizarre. C'est parti pour jouer. On va découvrir Skyrog. Le menu est spécial. Contrôle arcade. Contrôle simulateur, contrôle arcade, les mecs, j'en ai rien à foutre du gros. Mission 0. J'ai trouvé la base. Ok. Ok. Décrochage. X. D'accord, il faut viser. Où est ma target? Boum! Vous engagez souvent de beaucoup d'ennemis en même temps, visez le second héros avec A.
R. D'accord. Putain, c'est dur. Ça va, vous entendez le jeu ou pas? Parce que j'ai l'impression que le son est méga bas en fait. C'est pas mal, hein, franchement. Par contre, ça serait cool de... Voilà. Merci, jeu vidéo. Abattez les drones. C'est des drones, donc vous inquiétez pas, c'est pas des humains à l'intérieur. Votre héros a mis plus d'armes. Je sais, RTK maintenant. Votre héros peut équiper une unité spéciale, machin. D'accord, votre héros peut esquiver. D'accord, chaque équipe possède une unité. Si principal, détruisez-la. J'essaie de comprendre c'est quoi le jeu. Hein. Genre. Hop. Ça ressemble grave à No Man's Sky. Vous êtes fou ou quoi? Ça ressemble pas du tout à No Man's Sky. Genre, No Man's Sky, c'est pas du tout comme ça. En vrai. Pour avoir des jeux meilleurs, retournez au porte-avions pour accéder à la prochaine. Accéder. D'accord. Ah, c'est loin le porte-avions, y'a pas une mode. Non. J'avoue que c'est hyper l'ambiance, c'est assez impressionnant. Bon. Ça me fait penser à un jeu que je. Wouh! J'aime bien comment il. Ah, ça va, il atterrit comme. Un peu comme un dieu. Boum, j'ai gagné un succès. Allez, ah, il y a des musiques. C'est cool! C'est dommage qu'il n'y ait pas de mode pour. Bam! Je te défonce ton cul, moi! Il y a des méchants, vite! Tuons les méchants, portée 500. Vite. Wow! Wow! En vrai, c'est cool. C'est bon. Ok, c'est dit par contre, parce que t'es pas obligé de jouer à tout le jeu que Kevin Thor. Il a bossé dessus. Adieu, cutter. Putain, il y a plein de trucs à péter et tout, c'est cool. Oh fuck! C'est bon, les avions sont quasiment tous défoncés, genre. La liberté est bientôt de retour. Putain! Il va plus vite que moi, l'enculé. C'est bon! Oh fuck! C'est bon! Oh fuck! Putain, il me tire dessus l'enculé. Je vais changer mes missiles. Déjà, il dit même Top Gun sur NES, c'était mieux. Non, en vrai, il est cool celui-là.
Vous êtes jaloux. Bonne nuit, Devnet. Bonne nuit. En vrai, c'est top. Franchement, c'est agréable à contrer. Tu as changé. C'est le jeu de Victor Lornu, on va se coder par CP. Putain, mais vous êtes de mauvaise foi. Quoi le nom de ce jeu? Je t'ai dit, c'est Skyrogue. Ah oui. Wouh! Laissez-moi finir la mission et après on change de jeu. Ça prend 2 secondes. Vous êtes pas sympa. Boum! Putain, mais il y a des avions qui reviennent. Ah non, c'était la base que je devais détruire. Voilà, Aérolab. Parce que depuis que tu n'es pas mauvaise foi, on dit que c'est sympa à jouer, mais chiant en maté. Non, vous dites que vous êtes chiant et que vous êtes bête. Hop. Apparemment, il coûte 20 ressources, Steam. Ah, 20, c'est peut-être trop, par contre. Voilà! C'est comme ça qu'on finit une mission. On explose un bâtiment avec son bâtiment. Et attendez, je me demandais. Ah d'accord, on gagne des points de recherche et on peut avoir des nouveaux trucs, d'accord, c'est sympa. Cap Edge, c'est de la merde, Vijaya, ok. Ah, il y a quand même pas mal de trucs, vous voyez, vous pouvez payer pour des recherches. Et là, j'ai 2 avions différents. Et je peux choisir les équipements que je lui mets, genre si j'ai envie de lui donner par exemple des bombes. Ou ça. Et si je veux donner une autre skin. Et un truc spécial. Ah, c'est sympa. Franchement, moi, je trouve ça cool. Il y a Jam qui dit il est pas mal, ce jeu. Franchement, je trouve que c'est cool. Maxime, c'est des multi-terroristes, je me rappelle. Vous inquiétez pas, je fais pas la mission, c'est juste pour voir si l'avion se contrôle vraiment différemment ou pas. Ouais, si, ça se ressent, ça va. Ça se voit niveau mission, quoi. Je vais tester ça, mais... Putain, j'arrête pas de me gourer de touches, en fait. C'est pour ça que je tire mal. Ma fille, il va pas arrêter de dire « Ah, je veux tester ça, je veux voir ça » et il va et voilà. Great shot, kid. Et... Ah non, c'est cool, on évolue, etc. Il y a vraiment un côté rogue qui est intéressant. Franchement, c'est cool. Alors, vous avez le droit. Soit... On va jouer à Judge. Donc Judge, ça se passe dans le même univers que Neon Chrome. Attention au son, les gens. Elle est prévenue, hein. Le son est... Quel jeu tu m'as dit? Judge, ça s'écrit G-Y-D-G-E. Oui, ils s'écrivent Judge de manière étrange. G-Y? J-Y. Ah. Je vais baisser le son du jeu, mais ça reste fort, c'est cool. Voilà. Donc vous allez voir, nous allons jouer à Judge. Ah, on peut pas commencer par le début du début. Attendez. J'ai pas sauvegarde, un truc comme ça, non? Bon, attendez. Je... La ville doit être purgée du vice. C'est ça. Sauvegarde, inutilisé, va. Jouer. Voilà. This is Channel Neon reporting live from the crime scene. Multiple citizens are being held hostage as the crime lord and tightens his grip on the city. We're here with... Donc il y a un gros côté de Judge Dredd. Et c'est basé sur Neon Chrome, qui était déjà un jeu cool, rappelez-vous, Neon Chrome. On l'avait fait en live, il était très sympa. Yes, said again, the judge.
Et donc c'est un shoot, une sorte de twin stick shooter, vous voyez. Un peu comme, donc, comme au Ruiner que tu veux acheter. Que je veux pas acheter, ouais, tout à fait. Là j'ai reçu sur Facebook, mais tu vois, je ne tombe pas, il a l'air merdique. Et voilà, on va sauver les gens, récolter de la thune, confisquer des trucs. Et s'enfuir. Attendez, pourquoi ils sont pas partis eux? Ah, faut les relibérer, je les ai pas libérés. Ça va le son ou pas? Ouais, tu as pas sauvé les otages, je vous ai juste bousculé. Ah, j'ai recliqué en fait. C'est pas grave. Jack dit ouais, ça ressemble à Néochrome en effet. Tout à fait. Tous les citoyens ont été sauvés. 6 mois plus tard. Ça, c'est rapide. Bienvenue au centre de contrôle des Judges. Donc voilà, donc vous pouvez avoir un labo cybernétique. On va l'acheter, hein, le budget. Et donc le cybermatériel, et donc on peut ajouter ce qu'on veut, bonus, machin. Donc on va mettre l'armure. Et je n'ai plus d'argent. Donc on peut améliorer son flingue aussi. Donc là c'est la carte avec les missions. Donc on va faire la première mission. Il faut sauver tous les otages, piller tous les conteneurs et sortir en 20 secondes. Donc évidemment c'est une mission complémentaire. C'est très proche d'Hotline Miami en effet. Sauf qu'on est gentil. Merde, j'ai tué le... Oh, comment on se fait atomiser quand on meurt. J'aime bien le fait qu'il n'y ait absolument aucune finesse. Je trouve qu'ils en manquent un peu d'infiltration. Peut-être qu'il y a des améliorations pour le faire, mais là, ça me semble pas être plus grave. De dialogue aussi, d'enquête, le côté RPG. N'importe quoi. Il veut apprendre à personne. Donc voilà, j'ai obtenu tous les succès. Alors c'est pas violent, c'est naturel. Hein. Dans la vraie vie, il faut faire ce genre de violence, pour voilà. Bah je crois que c'est un examen typique de CRS, hein, tu vois. Oui. C'est genre examen d'entrée. J'ai quoi là? J'avais pas gagné le truc. Bille de plomb. Et je peux avoir une autre amélioration, vous voyez. Ah, je peux l'améliorer. C'est cool ça, je savais pas. Et je peux encore améliorer mon judge aussi si... Enfin là, j'ai pas de quoi faire, mais... Ah, attendez, il y a le cybermatériel que je peux peut-être améliorer. Tu débloques les améliorations et ensuite, il faut les acheter. C'est ça? Tout à fait. Donc, pas grave, hein, ils doivent mourir. Éliminer les cibles, détruire tous les ennemis, ne subissez aucun dégât. On va essayer de tout faire. Pour l'instant, tout est cool. Braquage des banques. Ils annoncent le nom de la musique au début, ça, je trouve ça cool. Outsider dit que les bruitages et la... Attends. Les bruitages et la musique sont cool. Franchement, les musiques sont très très sympas en effet. Merde. Attendez, j'ai raté la mission intouchable. Je vais recommencer. Je vais essayer de ne pas me faire toucher, c'est quand même cool. C'est ASDP qui dit banque dans la rue du coffre. Merde, j'ai échoué. Bon, j'essaye pour la dernière fois, sinon je continue. Le jeu est cool, franchement, c'est plaisant à jouer. Après, moi, je recherche pas non plus un... Je sais pas ce que vous cherchez dans ce genre de jeu. Moi, ce que je recherche, c'est vraiment du fun. Ça me rappelle un petit peu... De l'infiltration, des dialogues...
c'est pas ce genre de jeu que tu cherches. Je crois que c'est pas un très bon jeu d'horreur. Un très bon jeu de rôle. J'ai compris jeu d'horreur au début, c'est pour ça. Ah. Non, non, c'est pas un très bon jeu de rôle, je trouve. Mais c'est pas un très bon jeu d'horreur non plus, honnêtement. Que des jeux que t'as acheté ce soir ou... Non, que des jeux que on m'a offert les gens. Offert par les gens ou les devs? Par les devs. Ah donc c'est ton avis est biaisé. Totalement. Clairement. Pourtant, je suis là pour rétablir la vérité. Ils m'ont clairement payé pour dire du bien de leur jeu. Des centaines de milliers d'euros. C'est assez impressionnant. Et à côté, il y a un connard qui fait ouais, c'est pas ces jeux de rôle. Et c'est à cause de toi, du coup, que je ne toucherai pas l'argent. Parce que j'ai dit que ça manquait d'infiltration. Voilà. L'argent qui aurait pu permettre de rembourser le... Enfin, de donner même de l'argent aux gens du Ulule. Donne pas. Mais à cause de toi... À cause de moi, les illustrateurs ne font pas... Et... Boum. Ah, le logiciel de hack, donc il y a des améliorations que je n'ai pas. Ça manque de composants de Dating Simulator du 14. C'est vrai aussi. Et depuis qu'il dit ça manque de costumes en DLC. Boum, mission réussie avec tous les succès, je crois. Mission maîtrisée des jeux. Bon. Nous sommes un vrai juge. Ouais, c'est vrai que comme du 14 un peu, il y avait un genre de boss là. C'est vrai. On peut dire que j'ai été très fort. Mais vous inquiétez pas, je suis là pour établir la vérité. D'accord. Mais... Arme spéciale, Ricket Lourd. Il a reçu le niveau 2 du jeu et il se la pète. Hep, 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 hep. Je te rappelle quand même, Jex, que... T'es là sur les lives parce que t'as quand même fait des trucs contre la loi et que justement un juge t'a arrêté. Bah c'est vrai. Hein. Ah tiens, y'a un truc d'infiltration, Jax. Les ennemis ne peuvent pas vous voir tant que vous restez dans l'ombre. Ah putain. Alors ? Nous avons plaisanté. Sauvez les otages, sortez en 30 secondes, ne subissez aucun dégât. Bon bah on va essayer d'en faire un de ceux-là. Hein. Chilling with my peps, c'est marqué ça? C'est quoi ça? Ah, il y a des zones, tu vois, où on peut pas rentrer si on n'a pas le logiciel de hack. J'aime bien les trucs comme ça. Boum! Merde, je me suis déjà fait niquer une médaille, c'est pas grave. Bravo. Droite d'infiltration. Boum. Bonne nuit Vijaya. Bonne nuit Vijaya. What, y'a un mec qui est passé par la fenêtre. C'est trop bien. Ouais, j'ai hâte de voir tomber. Les musiques trop bien. Hop. C'est quoi ici? Ah, c'est l'endroit que je pouvais pirater. Ah donc les surprendre les tue plus vite. Yeah, the big fait un voleur vol, un juge confisque. C'est vrai que c'est marqué confisqué. Get out of here. Je crois que je vais sauver les otages. Ouais, je trouve que ça manque un peu de genre on peut casser des murs et tout. Vous pouvez casser les murs. Ah, pas tous.
Je voudrais faire comme dans Battlefield, genre tu détruis le bâtiment, il s'effondre et tout, ça change de niveau. Ah, ils sont sortis par là, mais moi non, en fait, d'accord. Puis sauter de l'immeuble en parachute et tout. Putain. N'importe quoi. Ah, je sais pas, moi j'ai mis des idées qui me paraissent normales. Alors, oui, Xia, je vais faire un top 10 sur les jeux, les séries et les films comme l'année dernière. Liam, le drone laser. Franchement, pour l'instant, moi ça m'éclate. Un sapé du drone laser vient vous aider. Vas-y, on va acheter ça, ça va être trop bien. Je trouve que le jeu est plein de surprises pour l'instant. Et j'aime les surprises. Ouais, l'aspect évolution est sympa. Et puis le fait de refaire les missions est cool parce qu'on a vraiment envie de les refaire quoi. C'est des missions courtes, sympas, ça va, c'est pas relou. Si tu les refais, tu regagnes de l'argent. Ouais, ouais. Ah, médaille, éliminer le chef, piller tous les conteneurs, sortir 25 secondes. Éliminer le chef de. Allez, c'est parti, on va éliminer tout le monde, les gens. Chef des émeutiers. Puis ça, j'ai mon petit drone qui se balade avec moi. Il est trop débile là-bas. Qui demande comment ça fait, c'est juste une Xbox 360 où on peut tout casser et que j'ai jamais fini. Ce serait pas Retraction. La Retraction, on peut tout casser et voilà. Oui. Wow! Ah, depuis que c'est plus sympa que le jeu avec les avions à voir en tout cas. Putain, mais il avait un lance-roquette, le mec. Mais je crois que j'en ai un de lance-roquette, c'est vrai, j'ai pas pensé à l'utiliser. Ah, apparemment, c'est d'après, il me dit que c'est ça, c'est Retraction. Ah, t'es sur mort, tu peux tout péter, et voilà. Il est sympa, Retraction. Je l'avais pas fait entièrement en live, en vrai, je m'en rappelle plus. Mmh. Ouais, vous pouvez casser les murs. Tu parles des vieux, toi? Lui, il parle que je suis à la troisième personne. Wow. Non, pas de... Ah oui, il parle, ouais, d'accord, oui. Ouais, il parle du TPS. De Redemption, c'est ça, un truc comme ça? Ouais. Armageddon? Armageddon, c'est sous terre, je crois. Je crois que je l'ai sur Steam, je vais aller voir. Il était pas si mal. Ah, c'est Guerilla, voilà. Armageddon, c'est sous terre et Guerilla, c'est sur Mars à l'extérieur. Donc je confirme, hein, on peut utiliser son super pouvoir pour tout démolir. Merci, Captain. Regardez, là par exemple, je peux faire. Ouais. Est-ce que ça il y a du corps à corps. Hein. Ouais. Ce que je pense. Le mec, en fait, il veut juste jouer à Just Cause. Ah, c'est pas ça, mais voilà, moi je vais regarder autre chose. N'importe quoi. Hop. Putain, il m'a tué! Erreur de procès, j'adore le nom. Ah, c'est très cool, Judge. J'aime beaucoup. Plus 5 points pour Gryffondor. Je sais pas si Gryffondor a fait ce genre de jeu. Je pense que non. Alors là, je vous propose un jeu très particulier qui s'appelle Trax The Train Set Game. C'est un jeu où on construit un truc de train, apparemment. Je ne sais pas. Plus ça va, plus c'est dur à écrire, les noms. Écoute. C'est quoi tu m'as dit? Trax, comme l'émission sur... The Train Games, ça. Ouais. Train Set Game. Voilà. Bon, j'ai droit sur Steam. Ouf. Jouons à Track the Set. Use space on City Hall to move through total. Plus K, use space. Use space, there. Merde. Attendez. Press the left mouse button. Put down pace, d'accord.
Peut-être le curseur. Attendez, excusez-moi, la fenêtre n'est pas bien, machin, résolution, blablabla. Hein. Where you want to track to go. D'accord. Right button to undo. Ok. Je ne sais pas, mais. C'est quoi? Fais-ci, tu cliques un peu, c'est quoi? Je me suis dit pareil, Dubfave à l'époque, quand il est sorti de Guerrière. Ah, trop cool, on peut tout casser. Et après, je m'en suis lassé. Attendez, c'est un jeu de la mort en fait, c'est ça? Qu'est-ce que tu dois faire? Je comprends pas là. Je sais pas trop, on dirait que c'est juste un jeu où tu crées un truc. C'est juste un jeu où tu fais des trains, enfin des parcours. Bah écoute, on dirait, ouais. Trop bien, Fave. Ça marche pas, ça? Attendez. Il y a Jacket qui fait mon rêve de gamin en jeu vidéo. Merde, je me suis ouvré. Et voilà. Attendez. Fucking chouchou, man. Oh shit. Putain, attendez, on peut mettre une fontaine. Oh putain. J'ai mis une fontaine. Oh! Pleine vitesse, Jean-Mi. J'en ai rien à foutre si des gens meurent dans un accident de train. Je suis pas là pour les juger. Regardez-moi cette vitesse incroyable. Oh putain de merde! Elle a un peu spécial, hein. Level select. Modern apartment. Be the track is to take passenger to the destination. On va faire ça. Ok, play. D'accord, donc il y a des passagers qui apparaissent et il faut aller les chercher. Et là, c'est la gare. C'est la gare. Incroyable. Oui, bah c'est bon, tu fermes ta gueule le jeu, je sais jouer. Bon, allez, on a rien à foutre, on va chercher les passagers. Chouchou, motherfucker. Direction la gare. Attendez, vous croyez que le train peut mourir? Non. Fuck yeah, bitch! Allez, c'est parti, on va aller chercher. Ah putain, il y a une autre gare là-bas. Ah merde, je crois que j'ai fucké mon... Il y a Jeff qui dit c'est pas comme dans Garry's Mod où on peut mettre des propulseurs à l'arrière d'un train. Merde, merde, les gens, on va mourir. Non, non, non! Putain de merde! Passer par entre eux. Merde, je me suis chié dans la colle. J'ai l'impression d'être dans un film de Woody Allen avec cette musique de merde. Attendez, où est le train? Allez hop, c'est parti, vite. On va aller chercher les passagers, là. Putain, c'est extrême! Il y a 14 qui montent, il faut pas s'arrêter pour prendre les gens. Bah, je pense, ouais.
Désolé, j'ai jamais contrôlé un train de ma vie. Arrêtez de vous moquer de moi, putain. Vite, on ralentit, vite. Non. C'est bon. Bonjour, messieurs, dames. Attendez, le train va... Ah, je peux reculer. Ah quoi, tu vois, il y a des gens qui veulent monter. Ah oui, des petits trucs en bas. Vous croyez qu'ils vont rentrer dedans, hein? Rentrer là-dedans. Putain, c'est quoi, c'est... Peut-être c'est juste des billes. Allez, rentrez les mecs. Putain, pourquoi ils montent pas? Ils sont pas censés monter après. Mais tu te fous de ma gueule? Pourquoi ils montent pas? Peut-être qu'il faut directement passer sur eux, tu vois ce que je veux dire? Attendez, je crois que j'ai fait bugger le jeu. Je vais les écraser quoi. Merde, j'ai fait bugger le jeu les gens. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ça? What? Voilà. Allez, train, tout chou. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un peu le jeu de l'angoisse quand même. Qu'est-ce qu'il y a derrière la fenêtre? Vous croyez qu'il y a quelque chose? Non. Il y a juste rien. C'est un monde. Mais c'est quoi ce monde? Attendez. Oh, arrête-toi, vite. C'est bon, je t'ai pris? Non. Peut-être qu'il faut klaxonner, il y a peut-être une connerie à faire. Attendez. En fait, c'est une genre de salle de test. C'est pour ça que c'est vide. Attendez, je crois que j'ai trouvé la touche. Peut-être que c'est pas leur niveau. Rentrez dans le train, bande de bâtards. C'est quoi ce truc de merde? Voilà, vous avez tout gagné, voilà, regardez ce qui va se passer maintenant. Adieu, monde cruel. Ah, oh putain! Ah. Worst game ever, 0 sur 20. C'est spécial, ouais. 0 sur 20, les gens. 0 sur 20. Moi, c'est moins bien qu'Orion. Orion était mieux. Non, c'est pas vrai. Non. Pas. Non, franchement, Orion n'était pas mieux. Orion était nul. Je reviens. Il part en plein live. Aucun respect pour les gens. Attends, c'est quoi le prochain jeu? Je change. Non, mais on va pas faire de prochain jeu, ça me saoule. C'est pour avoir moins chiant à regarder avec. C'est pourtant moins chiant à regarder que le jeu avec les avions. T'as un as de pique, mais tu peux pas dire ça, quoi. On parie qu'il va aller tout droit et pas tourner à gauche. Ah, t'es deck 14. Bon. Je vais me faire la même chose du vrai bois. C'est vrai que c'est... Eh, franchement, par contre, faire ça dans la vraie vie, c'est top. Mais là... Dans la vraie vie, les petits personnages, tu peux les prendre et les mettre dans le train. Dans le jeu, ils ne montaient pas dans le train parce que c'était des enculés. Le bois est joli. J'imagine les passagers qui veulent sortir par la fenêtre parce que Maxime ne veut pas arrêter le train. Eh ! Voilà. Hein. Bon, les gens, les jeux de ce soir. Moi, mon préféré, c'était Judge. Ensuite, ouais, franchement, il avait l'air cool. Hein. Ensuite, à égalité, Skyrod et Wonder Doctor, qui étaient tous les deux très sympathiques.
mais avec des limites clairement visibles. Et ensuite, nous avions Trax, qui n'est pas mon genre de jeu, dirons-nous. Hein. C'est le genre de jeu où moi, je vais vite m'emmerder parce que, ben, en fait, il n'y a pas... Enfin, c'est nul. Mais bon, voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Freedom Planet 2, Isaac, machin. D'accord. Sinon, ben, là, peut-être que... Peut-être que... Je sais pas quel jeu j'attends en ce moment. J'ai l'impression d'attendre un jeu, mais qui ne sort pas. Je sais pas. Il y a quoi? Ah, mais si, c'est Wolfenstein. C'est le prochain Wolfenstein que j'attends. J'ai vraiment envie d'y jouer. Ouais. Ouais, j'ai envie de taper des nazis. Pas vous. Maxime est raciste envers les hommes de bois. Oui, c'est vrai ça. Moi, je trouve ça dommage. Il n'y a pas assez de jeux où on peut jouer un nazi. Il y a la vraie vie, Jax, pour toi. Pour rester honnête et fair, tu as joué à un jeu de shoot et t'es passé au jeu de papa construire son train. Alors, honnêtement, je suis d'accord avec toi, mais il n'empêche que c'était chiant. Franchement, c'était chiant. Je suis tout pour hein, les jeux chiants, mais là non. Tiens, en parlant de ça, il y a ce bon LDF qui m'a offert The Letter, que je voulais faire en Gloopy Horror, qui s'appelle... C'est un visual novel, mais horreur. Donc je pense que c'est le genre de jeu qui peut être très rigolo à faire des voix. Évidemment, il n'est qu'en anglais, parce que ça serait trop facile. Mais voilà, je me dis que ça peut être très sympa, donc je sais pas si vous... Si vous êtes pour... alors, attendez. Hein. Ah non, il y a du voice acting. Ben, on peut couper, à mon avis. Hein. Mais ça a l'air sympa, quoi. L'histoire a l'air cool. Donc, on peut peut-être avoir un truc à la Mad Phaser, vous voyez. Ça peut être un jeu d'une nuit, quoi. Non ? Je sais pas ce que vous pensez. Bon, moi, en tout cas, j'attends le prochain Far Cry. Quoi ? Moi, je pense que ce sera le jeu de l'année. Attends, il y a un... Ah, mais il est pas déjà sorti ? Non, pas encore, non. Putain, dans ma tête, il était sorti, mec. Genre, non, j'aurais pu te dire qu'il avait eu des 15 sur 20, tu vois. Genre... Mon Dieu. Genre, pour moi, il était déjà sorti, tu vois. C'est comme j'ai découvert qu'Assassin's Creed Origins n'était pas sorti, en fait. Enfin, pas encore. Bah, ça, je crois que c'est normal, hein, je crois. Et attendez, je veux pas dire, mais je crois que sur une des canettes Monster que j'ai, là... Il y a un code. Ah ouais, non, c'était celle que j'ai pris. Attendez. Ah non, je l'ai pas. C'était dans la voiture de Victor, mais ouais. Ah non, il est pas encore sorti. Moi, je pense que le prochain Far Cry et le prochain Assassin's Creed, ça va être les jeux de l'année 2017. Ouais, imagine Assassin's Creed Origins, c'est bien. Mais par contre, j'ai pas compris parce que j'ai vu qu'il y avait un mode historique. Pour entre guillemets visiter, etc., et découvrir un peu l'époque, tu vois. Mais il y a des scorpions géants. À quel moment il y a des scorpions géants en Égypte ancienne? C'est ça qui me dérange. T'es expert en Égypte ancienne, Maxime? Non, voilà. Non, c'est vrai. Donc, non, avant de dire de la merde, voilà. C'est vrai. Et sinon, j'ai testé les gens Elex, le jeu des gens qui ont fait Gothic et Ryzen. Ils ont réussi à faire moins souple que Ryzen et Gothic. Et ça, c'est un challenge. Franchement, c'est un challenge. 27 octobre pour Assassin's Creed. Tout sort le 27 octobre, j'ai l'impression. C'est l'anniversaire de Kiblin, d'ailleurs. Je trouve leur gameplay vachement bizarre, moi. À tous leurs jeux, à tous leurs Ryzen et tout. Je sais pas, c'est bizarre. Mais c'est pas très agréable. On dirait que c'est fait pour manette et en même temps pour PC, mais qu'ils ont pris le pire des deux mondes. Ouais, c'est la tristesse. T'as pas vu le roi scorpion, ce super biopic? C'est vrai, ça. Le boss final du prochain Far Cry, ça sera Jake en mode raciste. Ah, ça serait bien. Kiblin est aussi sorti un 27 octobre, tout à fait. Ah, comme quoi. Bon, à la base, je voulais faire Battle Chaser ce soir, puis je me suis dit qu'on ferait plus tard. Mais ouais, The Letter, ça a l'air vachement bien. Je le rajoute à... Non, je rajoute à rien du tout, je vais juste l'installer. Comme ça, je le verrai. Maintenant, je désinstalle les jeux que j'ai déjà fait et tout ça. Il y a Darkwood aussi, je sais pas si vous connaissez.
Putain, j'ai déjà joué 14 heures, quoi. Ça passe vite, hein. Donc, Darkwood, bah, cette semaine, on va faire des lives. Par contre, je peux pas vous les annoncer tout de suite parce qu'il y a des trucs qui sont pas encore calés dans ma semaine. Mais on fera du Darkwood. Voilà. Est-ce qu'on en fera demain soir? Je ne sais pas. Est-ce que demain soir, on fera autre chose? Je ne sais pas. Et on fera certainement du Evil Within 2 aussi parce que j'ai envie. Ça me fait rire. Ah, mais j'ai envie d'avancer un peu. Mon Dieu. Franchement, j'ai envie d'avancer un peu dans The Evil Within 2. J'ai envie de voir où ça mène, toute cette merde. Pas vous? Il y avait un boss dans Golden Sun 2, c'est un scorpion géant dans notre der. Ben voilà. Comme en Égypte ancienne. Pourtant simple, les gens. J'ai fini le premier Evil Within, mais oui! Les gens, c'est bon, quoi. Je l'ai fait en live. Au bout d'un moment, arrêtez de me faire chier avec ça, quoi. Pas les DLC. Pas les DLC, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'aime la vie, j'aime le plaisir de vivre. Je n'avais pas envie de faire ça. Voilà. En cas, Maxime, il a dit que si Lulu il atteignait 10 000 euros avant la fin du live, bah, il faisait R3 en difficile deux fois d'affilée en marathon. Oh. Putain. La souffrance, quoi. En plus, il est pas mauvais, hein. C'est juste qu'il est pas du tout adapté à un marathon. En plus, apparemment, ça peut aider à comprendre le 2. Ou alors, tu invites un speedrunner du jeu. Non, mais les gens, on va être clair. The Evil Within 1 comme 2 ont un scénario de merde. Qui est classique, vu et revu, et chiant. Maintenant, vous pouvez aimer les jeux si vous voulez. Ça ne me fera pas, ça ne me donnera pas envie de faire les DLC. C'était déjà assez relou quand même. Donc voilà. En plus, le DLC était horriblement orienté sur l'infiltration. Oui, et l'infiltration dans ce jeu-là, ça marche pas. Donc voilà. La ville me rappelle ça, mais on verra. Mais en tout cas, j'ai vraiment, vous voyez, je suis plus hypé par le côté ouvert qui me paraît un peu intéressant. On verra. Mais s'ils orientent un peu plus action et tout, ça peut vraiment le faire, hein, honnêtement. Donc, le côté craft avait l'air sympa aussi. Je sais pas. On verra, toujours est-il qu'on y jouera la nuit. C'est un des jeux de nuit, d'accord? Darkwood n'est pas un jeu de nuit, c'est un des jeux prime. C'est un des jeux, on les fait en live prime à 21h et tout ça. Evil Within 2, non. On s'en branle, le Evil Within 2, voilà. Non, mais Dab5, le jeu est pigné à pisse. Hein. Je tiens à dire que les deux commentaires sur le projet Ulule sont représentatifs de la qualité finale des cassettes. le scénario est peu étoffé, mais le gameplay est sympa. Il est moins bien que celui de Resident Evil 4. À partir de ce moment-là, c'est un échec. Bref. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Mon cher Jack, je te dis à bientôt. Bah, bonne nuit à toi et bonne nuit au live. Eh bien, à très bientôt. À bientôt. Et les gens, je vous dis à demain soir, certainement dans la nuit pour un live Evil Within 2. Mardi, il y aura peut-être un live Darkwood. Enfin bref, je vous tiens au courant. Restez sur Twitter, restez aux alentours. Là, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais ça reviendra. Et n'oubliez pas que le week-end prochain, samedi soir, ça sera un marathon, soit sur Phantasmagoria, soit sur Until Dawn. On verra bien qui gagnera, vaincra. Je ne sais pas lequel des deux m'intéresse le plus pour l'instant. Mais Phantasmagoria a l'air vraiment drôle, alors que Until Dawn, on le connaît un peu. Je ne sais pas. Voilà. N'hésitez pas à aller voter sur Twitter. On verra bien. Peut-être qu'on fera voter au début du live. On verra. C'est ça qui est rigolo aussi. Là, pour l'instant, je vous le dis, c'est Until Dawn qui gagne à 31%. Voilà. À bientôt, bisous partout. Et faites attention aux maladies où vous avez des vers qui vous poussent sous la peau parce que c'est absolument dégueulasse. À bientôt!
Franchement, j'espère que Assassin's Creed Origins sera bien parce que ça m'intéresserait ce genre de jeu. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un jeu comme ça qui est cool, mais j'ai des très gros doutes quand même. Des très très gros doutes.